outro. Ok, yo, salut les gens, c'est Goliath, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée sur Goliath 3G, sur Goliath Gaming. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, c'est vrai que je vous bombarde un petit peu de vidéos actuellement sur ma chaîne, c'est parce qu'il y a tellement d'informations grâce à la Gamescom qui nous parvient de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute, que voilà, il faut absolument que la machine tourne à son maximum, hein. Je n'arrête pas une seconde, hein. tous les jours, chaque heure, je bosse pour vous envoyer un maximum d'informations. C'est clair qu'on a eu quand même beaucoup d'informations grâce au trailer de la Gamescom. On a pu voir également pas mal d'armures, d'armes, d'informations sur tout et n'importe quoi concernant le prochain DLC. On a eu beaucoup du visuel concernant les armures du Titan. Malheureusement, on n'a pas encore eu assez de détails concernant les armures d'Osiris, du Chasseur. C'est chose faite actuellement. On a eu un petit dossier de presse il y a quelques heures maintenant qui roule sur Internet. Je vous le montre ici actuellement. C'est la toute nouvelle armure d'Osiris concernant le Chasseur. Je trouve qu'il est vraiment splendide et vraiment magnifique, franchement. Les armures d'Osiris sont vraiment super bien avec l'espèce d'ornement qu'on peut activer. Ça fait vraiment encore un côté encore plus beau à la chose. Ça donne vraiment une armure encore beaucoup plus flamboyante, comme ça, plus clinquante. Et franchement, elles sont vraiment hyper belles à regarder, tout simplement. Je vous montre vite fait la toute nouvelle cape qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de voir, d'observer jusqu'à présent. La toute nouvelle cape, tout simplement, de la bannière de fer concernant le chasseur. Alors on va directement maintenant switcher vers les armes. Donc on a vu quand même un petit panel d'armes hier dans le trailer. Je vais vous montrer directement les nouvelles armes. Donc on avait l'occasion lors des semaines précédentes d'observer un fusion de l'avant-garde. On avait observé également la mitrailleuse, le pompe également de l'avant-garde. Aujourd'hui je vais vous montrer toutes les armes nouvelles. Donc on a ici également donc une arme d'Osiris. Donc coup par coup on peut voir la nouvelle mitrailleuse de la nouvelle monarchie, donc qui a l'air assez balèze, je trouve. Les armes de la bannière de fer, on peut voir ici actuellement à l'écran tout simplement le fusil automatique, le tout nouveau fusil automatique de la nouvelle version de la bannière de fer. Donc voilà, en fait, donc toutes les armes que vous allez voir englobées comme ça d'une certaine couverture, comme ça d'une certaine fourrure serait plus juste, sont vraiment, je veux dire, toutes les armes qui englobent tout l'univers de la nouvelle version de la bannière de fer. Ici on peut voir le revolver qui est assez stylé, le sniper, on voyait un petit peu au niveau de la taille, au niveau de la grandeur de la lunette. Je pense pour moi que ce sniper va être vraiment énormément utilisé, surtout en PVP. Quand vous voyez un petit peu le design, il est super beau, on dirait vraiment que c'est un sniper qui va vraiment déchirer, qui va vraiment être beaucoup utilisé en PVP. Alors ici un petit screen que j'ai effectué au niveau du trailer d'hier, donc de Bungie. C'est pas une arme qui intègre directement le dossier presse que j'ai pu observer sur internet, qui roule sur internet. Pour moi personnellement, vu que le fusil automatique on l'a déjà vu précédemment, je pense que ça sera plutôt l'impulsion de la bannière de fer. Donc ça sera un peu à voir dans les jours qui vont suivre cette vidéo. Le lance-roquette également de la bannière de fer, qui est un peu basique, et également le pistolet qui pour moi va faire couler beaucoup d'encre, je pense. Le tout premier pistolet de Destiny à rafale. Beaucoup de gens qui disent que c'est plutôt un pistolet automatique. Venant plutôt d'un monde de Call of Duty, je sais très bien ce que c'est qu'un G18. Et là, je peux vous dire que c'est un pistolet à rafale. Pour moi, ça serait vraiment la meilleure appellation à donner à ce pistolet. Donc, donc voilà, concernant les toutes dernières nouveautés, les toutes dernières news que j'ai pu tout simplement acquérir, que j'ai pu tout simplement analyser. La dernière chose pour clôturer cette vidéo, j'ai appris tout simplement qu'il y avait donc la collection qui existait, qui regroupe tout simplement le Destiny, Destiny première année avec le DLC 1, le DLC 2, l'extension, le prochain DLC, hein, donc les Seigneurs de Fer. Tout ça va être englobé dans une même version en fait. Ça sera tout simplement au prix de 60€, donc 59,99€ si mes souvenirs sont bons. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que dépenser 60€ dans un jeu qui comprend complètement tout, ce qu'on a
qu'on a pu voir jusque présent, c'est quand même pas mal. C'est clair et net que 60 euros pour tout avoir, c'est quand même plutôt intéressant pour les gens, en tout cas, qui n'ont jamais touché le jeu Destiny de leur vie. Maintenant, pour les gens qui ont déjà joué à Destiny, qui sont fans et passionnés de ce monde de Destiny, il y a une version dématérialisée de ce jeu qui existe. Hein, donc, pour les gens qui sont sur PS3, si vous voulez passer sur PS4, vous devrez tout simplement débourser la somme de 40 euros. C'est super bien quand même, vous allez quand même gagner 20 euros. Pour les gens d'Xbox 360 qui veulent passer sur Xbox One, c'est identiquement pareil. Vous devrez débourser également 40 euros. Donc voilà, c'est les Goliaths, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gens, bye bye.